Bonjour mes chers abonnés, bienvenue dans Actu Mercato Chelsea. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer la cloche de notification. Merci, let's go, prenez vos cafés, asseyez-vous, soyez concentrés. Cet enfant officiel, Enzo Fernandez, a signé à Chelsea. Après plusieurs semaines d'intenses négociations, Enzo Fernandez est un joueur de Chelsea jusqu'en juin 2023. Le transfert du dernier joueur de Chelsea, l'Argentin, a été rapporté à 121 millions d'euros à Benfica, qui est une somme astronomique. Après de très longues intense négociation, Chelsea vient de réaliser le plus gros coup de ce mercato hivernal. À seulement quelques minutes de la fermeture du marché, Enzo Fernandez est officiellement transféré à Chelsea contre un montant de 121 millions d'euros, selon le communiqué officiel du club portugais, et devient le plus gros transfert de l'histoire de la Premier League. Il a signé un contrat de 7 ans. Et demi, soit jusqu'en juin 2031, selon la presse argentine. Et il faut dire que Benfica s'est montré très dur en affaires après avoir demandé au moins 121 millions lors d'une première lose avec les Blues. Le président du club portugais, Luis Costa, a ensuite fait savoir qu'il n'acceptait pas moins de 131 millions d'euros pour l'Argentin. Finalement, ce sont que 121 millions d'euros que Chelsea a mis sur la table après avoir dépensé 160 millions d'euros en recul lors de ce mercato du janvier. Modric 90 millions, Valdés 48 millions, André Santos 12,5 millions, Dago Fofana 12 millions, plus de prêts de joueurs Félix 11 millions, soit un total de 550 millions depuis l'été dernier. Le milieu de terrain de 22 ans a passé la visite médicale et devrait être présenté devant la presse ce mercredi. Il pourrait faire ses débuts officiels ce vendredi 3 février face à Fulham pour le compte de la 22e journée de la Premier League. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Fernandez à Chelsea pour 121 millions d'euros en juin 2031. Dites-nous dans les commentaires si ce mercato est exceptionnel pour Chelsea ou pas, s'il va le rapporter dans la Premier League, dans la Champions League, si Enzo Fernandez est un joueur pour Chelsea, bien sûr. Faites-nous savoir dans les commentaires. Merci et à la prochaine.